Donc aujourd'hui, on a plein de labels indépendants et d'artistes indépendants qui fabriquent toujours du vinyle. Le MP3, c'est bien de l'avoir dans un premier temps rapidement, c'est juste pour un titre promotionnel, mais c'est comme un bon verre de vin. On le voit pas dans un gobelet en plastique blanc, hein. Le bon verre de vin, c'est dans un verre en cristal. Et chez moi, c'est le verre en cristal, voilà. Donc moi, les disques, c'est un peu comme ça, en fait. C'est un sens. Moi, je touche la partie mécanique de ce disque, ce qui me permet de faire du scratch, par exemple. Donc, on transforme sa platine en instrument de musique. Donc ça, je trouve ça génial. Comme vous le voyez, très très simple, je reste avec des vinyles, SP1200, MPC60, MPC3000. Je suis ça, des vinyles, un peu de clavier, micro-cork, ça suffit pour faire vraiment du bon rap. Je trouve que le Serato, ça dénature un peu le DJ, quoi, du fait que ça soit des MP3, que les mecs puissent se faire des playlists avant. Pour moi, un vrai DJ, c'est un mec qui mixe sur vinyle, point barre. Je scratchais sur des cassettes, parce que j'avais qu'une chaîne IFI avec des cassettes. Voilà, je mettais des cassettes et puis je scratchais sur une platine, c'était assez drôle. Le Serato est un programme informatique simulant l'interaction qu'a un DJ avec ses platines. Forcément, on n'a pas toutes nos instrus pressées sur vinyle, donc elles sont dans l'ordinateur, et puis le Serato, il est vraiment utile pour ça, quoi, pour faire les concerts. Le Serato, on peut l'utiliser aussi en studio, par exemple. Le bruit de ça, voilà, on l'enregistre, on le met sur le Serato, on le scratch. C'est prendre, prendre un bout d'une musique et après la transformer, la ralentir dans les machines. On peut sampler avec des micros des bruits dehors, enregistrés dans un programme et resampler après des sons de caisse claire que des potes peuvent nous faire. On découpe des samples plus acoustiques, des flûtes ou des guitares, tout samplé sur vinyle par exemple, et recomposé sur ces machines, à arriver à créer une nouvelle musique. Dans des compresseurs et masteriser les presser sur vinyle et de pouvoir sampler ces kicks qui tapent énormément. T'as une batterie qui tape énormément et tu la samples sur ces vieux sampleurs analogiques, soit du 8 ou 12 bits, et ça te prend un échantillonnage assez pauvre qui fait en sorte que ça claque énormément, il y a beaucoup d'attaques. Alors de sampler un vinyle qui a déjà énormément de grains dans des machines qui ont du grain, en les travaillant un peu, on peut avoir des trucs assez propres, mais
qui tape encore plus. Et la musique, quand elle est finie, on va en studio pour lui donner encore plus de patates, pour lui mettre l'enveloppe qu'il faut. Et avec ça, après, nous, on represse sur vinyle. Le fait de sampler du vinyle, de créer une musique sur des vieilles machines et represser après du vinyle, c'est quelque chose d'assez magique. Il n'y aura jamais d'équivalent par rapport au vinyle, quoi. Le vinyle a vraiment du grain, il y a un son rough. Alors après, attention, ça dépend beaucoup du pressage. Il y a des gens qui font des mauvais pressages, donc là, ça peut être malheureusement, le son est moins bon. Mais si on fait un bon pressage, qu'on a un bon mastering au départ, on a des vinyles vraiment qui pètent, et puis on aura toujours ce grain qu'il y a sur le vinyle, quoi. Les MP3, moi, j'aime vraiment pas, c'est un son métallique, quoi, c'est dégueulasse. Quand je fais des soirées, je mixe sur vinyle, et je trouve ça vraiment bien. Bon, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut porter les disques ou ça, et puis bon, je mixe avec les disques de ma collection. Moi, un vrai DJ, c'est un mec qui mixe sur vinyle, point barre. Comme ça, il n'y a pas de triche, c'est vraiment, puis pour moi, c'est un vrai mix, quoi. Le fait de sortir les vinyles, tout ça, il y a un visuel plus intéressant pour le public. Je trouve que c'est ce qu'il y a plus intéressant à faire dans le mix, de plus constructif, et surtout c'est comme ça, avec le vinyle et la platine, qu'on peut considérer l'ensemble comme un instrument. Parce qu'on peut faire des mélodies, parce qu'on peut faire des tempos, on peut aussi faire ce qu'on appelle soit le beat jungling, qui est le vrai terme en fait en anglais, ou le passe-passe en français, c'est-à-dire deux vinyles identiques, ou même deux vinyles différents, mais en fait donc on jongle avec les beats, on jongle avec les deux platines. Donc là, j'étais sur une platine, je me suis concentré sur du scratch. Si par exemple, j'avais mis un autre vinyle sur celle-là, j'aurais fait des phases donc sur cette platine et sur cette platine. Et là, bah, c'est du passement de beat, on peut retaper des batteries. Reza, membre du Wu-Tang Clan, un groupe de hip-hop new-yorkais, a révolutionné le travail de compositeur de musique de film. Avec la BO de Ghost Dog, film de Jim Jarmusch, il a su imposer un style nouveau à toute une industrie. Le hip-hop est maintenant gravé dans toutes les couches de la société. C'est donc un travail de longue haleine, un art pratiqué en sous-marin, directement inspiré par le disque vinyle comme média et les platines comme instrument, qui ont forgé le visage actuel de la musique. Ce retour en force du vinyle n'est pas étonnant. La vinylomania s'envole de New York à Paris et de Zurich à Vancouver. Because I believe that iTunes have totally destroyed the usage of like what it means to go buy an actual album. You know what I mean? Like that's why you buy an album, because you like the artist, and the artist has made an album from top to bottom, like in order. They placed it in order. You know what I mean? They've made that album. They made a theme for an album so that all the songs connect, not just one. So I think that's the one thing that's wrong, is that people just want to buy singles instead of going out to a record store or say HMV or, you know, wherever that they sell CDs. Like people don't even buy CDs anymore, you know what I mean? So that's the thing. Like it's not that vinyl's gone downhill. I think it's like the terms of like buying music has gone downhill. So listen up. Breaking your time to shine, shine, shine.
Alors que le grand public perdait de l'attrait pour le vinyle, c'est bien l'originalité de ce média qui avait permis aux disquaires de se diversifier. Afin de survivre, les magasins de disques indépendants ont ainsi ajouté une, voire plusieurs cordes à leur instrument. Vente et réparation de platines, vente de CD, vente de bandes dessinées, location de matériel son. Depuis quelques années néanmoins, le nombre de magasins augmente alors qu'ils diminuaient, et c'est des concept stores qui apparaissent. Moitié café, moitié magasin. Magasin servant de vitrine à un label de production. Magasin chic, vendant des produits de luxe. Magasin alliant petit mobilier et disques. Même les grandes surfaces ont pris le train en marche. Les associations d'idées sont ainsi multiples, mais témoignent toutes d'une incrustation forte du disque vinyle dans le quotidien, d'une volonté de le rajeunir et de briser cette image compliquée qui le poursuit. We sell like writing supplies, right? So like a lot of people come in to buy that, and then we have a lot of local artists for like the t-shirts, and you know they're not that expensive. And then we also carry tickets, right? So a lot of people come in and buy tickets, and then they'll have a browse and then buy vinyl as well. So it's a plus to sell all that at the same time. Like 4 years ago, none of this was here. Urban Outfitters sells vinyl. They never did like 2 years ago. La Sonore, c'est une association qui existe depuis 10 ans et qui s'est matérialisée en une boutique de vinyle essentiellement, mais pas seulement, il y a 2 ans. Pour nous, il ne s'agit pas d'entrer en concurrence avec les autres, mais plutôt de se compléter. L'ambition, c'est quand même que tout le monde trouve son credo, en fait. Au lieu d'essayer de spiquer les clients les uns chez les autres, l'ambition, c'est quand même plutôt de soutenir le marché, d'essayer de faire s'étendre et surtout de faire grandir l'affection que les gens peuvent avoir pour le vinyle. Parce que c'est avant tout un métier de passion. L'idée repose sur la diversification, parce qu'on est vraiment bien plus qu'un disquaire. Donc on organise des concerts, on a un micro-label, on est partenaire avec plein de salles parisiennes et du reste de la France d'ailleurs. Donc on fait la pub pour leurs concerts et en échange on peut se déplacer au concert pour faire parler de nous et pour vendre des disques. Après les disques vinyles, c'est au tour des maisons de disques de souffrir de la crise. Elles se diversifient sur Internet comme dans les anciens supports. Néanmoins, la culture de ce disque centenaire existe au-delà des chiffres et leur argent, au-delà des médias et leur image, des clichés de la technologie. Parce qu'il reste seul et entier, le média le plus propice à l'ouverture de nos sens musicaux, les gens le sentent et prennent le temps de redécouvrir la musique autrement. Well, we opened up in 1981. It's my dad's shop, and he opened it up then. He was running a construction business at the time, and he still does, and there's a big dip in the housing market in Vancouver. So he took his other passion, which was vinyl, and opened up a shop. And he'd actually been putting on the record fairs years before that as well, and he had a label under the same name, Neptune Records. So he decided to open it up, and it ended up being a huge success, and we've been here ever since. I'd say maybe 10 years ago, it wasn't as wide a range. You know, it was mostly older guys buying records, I'd say. But now it's a huge range. In the last several years, it's, you know, you get kids, like literally kids that are 10 years old coming in and buying records. Quand j'ai ouvert il y a 20 ans des boutiques de disques sur Paris, il n'y en avait plus beaucoup. On était vraiment, une dizaine ou plus, en fait, dont toute une génération qui était antérieure à moi. La génération des années 60 est partie à la retraite,
Et toutes les boutiques qui se montent à l'heure actuelle sur Paris, maintenant on n'est plus 10, on est au moins une cinquantaine. Par contre, elles font beaucoup de neufs et elles vendent beaucoup de choses actuelles en fait. Les disques circulent et on les retrouve aussi en occasion 4, 5, 6 ans après. Depuis 20 ans, le vinyle représente quand même l'essentiel de mes ventes. Par contre, effectivement, depuis 5-6 ans, la clientèle rajeunit. C'est-à-dire qu'avant, on vendait surtout à des entre 30 et 70. Maintenant, on vend aussi à des gens qui ont 18, 20, 25 ans, et de plus en plus, en fait. We start to go to the United States in 85, and then we bought the first bunch of records. Maybe that was 10,000. Then I go every year since 85 to the United States and bought collections, CD, DJ collections from warehouses, private collections. Every year, maybe, I don't know exactly. 5,000, 10,000, 20,000, sometimes. Once I bought 30,000. And then at once? At once, yeah. And then we, I think in 91 or 92, we bought two whole stores, including the basement. In the last maybe 12 months, I have a lot of new clients, between 20 and 30 years. From Germany, from Israel, from Venezuela, from England, from France. Yeah. La musique est vecteur d'émotion. Il ne faudrait pas la réduire à une simple suite de 0 et de 1. Le disque vinyle possède cette magie qui lui permet de toujours s'adapter, de se rendre utile au producteur comme à l'auditeur. C'est la relation unique qu'elle crée avec le public qu'il faut privilégier avant tout. Des produits de qualité, bien pressés, mais surtout dans le respect de l'artiste. Et donner du crédit à la culture hip-hop pour avoir su voir l'or là où d'autres ne voyaient que déchets. Le sillon a permis à la musique de s'exprimer pleinement, de conquérir le cœur de tous sans distinction. L'infini de ses courbes a offert un réceptacle à ces ondes divines qui font vibrer nos âmes, miroirs fugaces de l'éternel. Les disques vinyles s'inscrivent dans une vision à long terme, où la surabondance n'a pas sa place. Prendre le temps d'écouter est ce qui parle aujourd'hui aux gens. Pour le reste du temps, nous avons nos smartphones. Il fait 50 cm et il pèse 2,5 kg. Alors, on va aller voir s'il veut bien. Et ça part de ce côté, ici. Ça part au centre. Thank you.
I know all the memory of them, sir.